Une lettre de Théo de Montreuil. Merci Théo. J'aime beaucoup la profondeur de vos textes. Merci Théo. La subtilité de vos mélodies. Merci Théo. La finesse de vos rythmiques. Merci Théo. Mais je ne supporte pas vos voix. Merci Théo. Est-il possible de trouver vos albums chantés par d'autres artistes? Merci de me répondre. De rien Théo. Donc là c'est un courrier de Max de Singapour. Bonjour Max. Salut les volos. Lisez ma lettre comme un dialogue et vous verrez, ça devrait vous plaire. Vas-y. Moi? Bah oui, c'est ça là. Bah alors? Oui, attends, bon. Qu'est-ce que tu fais? Bah je lis. Non mais sérieux? Bah regarde, c'est le texte que je suis en train de lire qui est écrit. Ah ouais, comme moi. Tiens, tu vois, c'est pareil. C'est dingue. Voilà, j'espère que cet univers un peu absurde vous aura plu. Bizarre son délire. Quoi? Bah le délire de Max. Ouais. Eh oui, c'est bien barré. Et jusqu'où ça ira? Et ça continue. Et ça continue. Alors c'est un message de Patrick. Salut Patrick. Messieurs, je suis le directeur du plus grand festival du monde. Et je possède les plus grandes radios et les plus grandes télés du monde. Bref, je suis très puissant. C'est tout? Ouais. Ok, merci Patrick. Ah non, il y a un astérix. Ça. Vous comprendrez donc pourquoi votre travail ne m'intéresse pas. Ouais, d'accord. Ouais, okay.